Yeah, dépêche-toi, Bénor, s'il te plaît. Arrête de faire un câlin au cerf, là. Oh, meurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, ces bestiaux. Oh, quelle horreur. Oh, je crois qu'on a du monde. J'allais dire, les ruines sont belles, mon Bénor, mais elles sont habitées. Il va falloir faire le ménage. Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer. Ici c'est Papy sur Skyrim Anniversary Edition. Je suis de retour à bord de ciel avec mon ami Bénor, point rouillé du Nord. Il est toujours avec moi, le grand bonnet. Je l'ai retrouvé, hein. J'ai lâché à la chasseresse des compagnons, mais je pense qu'on la reverra incessamment sous peu. Nous sommes sur la route justement pour les compagnons. Mais c'est un épisode exploration aujourd'hui parce qu'on s'est retépé depuis la grotte de l'Avalanche dans laquelle nous étions il y a peu, endroit le plus à l'est que nous avons découvert. Et notre objectif tout simplement pour les compagnons, hein, la mission que nous a confiée Ella, c'est ici, tout au fin fond de la brèche, du côté du creux du casque brisé, ce qui va nous amener sur la route de ce fort tire-muraille ici et de Faïèze. C'est donc tout simplement la ville de Faïèze et ses environs que nous allons découvrir et explorer aujourd'hui en allant en direction du creux du casque... brisé, et ça fera l'objet du prochain épisode. Alors, quelques étuis douénaires décoratifs, ça a un petit peu d'argent, ça. Hein. Le phylogénie racial. Ah, guérison, c'est bien ça, mais on fait pas du tout de... Non, vas-y, prends le bouquin, vieux. Une poêle, c'est une poêle, y a pas de poignée, ils avaient pas de poignée, les poêles douénaires. On a ramassé les ruines. Ce sont des ruines douénaires. Hein. Tu vois un petit peu... Ah, attends, il y a une cage, là. Il y a une cage, Bénor. On va essayer de la forcer. Ah ah! On y est presque. Et un petit peu au-dessus. Oh, voilà, quel talent. Magnifique. On a une petite plaque. On a des ferrailles, des leviers. Oh, une potion de soin. Écoutez, on a ramassé des morceaux d'Wener. Je sais plus si ça nous servira un jour ou pas. On les mettra de côté, on les vendra pas au cas où, parce que c'est pas pour ce que ça vaut, c'est pas un problème. Nous fort machin, c'est droit devant nous, mon bon Bénor. De là-bas, on reprendra la route directement jusqu'à Faïèze, où nous découvrirons la cité aujourd'hui même. Avant de prendre la direction donc du casque pété, du casque brisé. Ou casque brisé plus que pété. Il n'y a pas le pète au casque. Il est là, le fort, on va le découvrir. Alors, s'il y a des villas, on va pas se les faire maintenant, hein, parce que ça a l'air grand, en plus. Ça a l'air grand, cette connerie. Tu suis, Bénor? Ouais, tu suis, c'est bon, ça va. Est-ce que c'est un haut lieu, je sais pas, de la résistance sombrage? Est-ce que... Ah non, c'est des bandits. Et genre tu vas m'attaquer? Ah, et Bénor est parti. Ah bon, bah si, bah on va le faire. Vous avez gagné. Oui, je sais, j'ai gagné. Tu es morte. Oh, je prélève l'impôt sur les successions. Pour l'instant, je laisse tout. On va les buter. Bénor, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ce blondinet là? Saleté! Je ne prends que l'or pour l'instant.
Ma hache ensanglantée a encore soif. Viens ici. Viens ici. Encore. Profite du moment présent. Oui, je profite du moment où je t'assassine. Sale bandit. Ça va, mon Bénor, fais gaffe, hein. Tu risquerais peut-être de te fouler une cheville à me regarder faire. Attention, hein. Tu risques la foulure de l'orbite. Où qu'il est, le vilain? Par là? Mais... Il est dans la tour. Il est dans la tour, Bénor. Il est dans la tour. Bénor, t'es con ou quoi? Il est dans la tour, je te dis. Viens avec moi. Il est pas là, c'est qu'il est encore un croc au-dessus. Il est encore un croc au-dessus. Oh, tu vas voir, ma mort. C'est la tienne qui va arriver avant la mienne, mon grand. C'est moi qui te le dis. Ah ah! T'avais beau essayer de te cacher. Loupé. Loupé. Merde! Oui, voilà ce que je sais faire. Bon, toi, je vais te désosser parce que je vais pas remonter jusqu'ici. Hein. Voilà, faut pas déconner quand même. On va pas revenir jusque-là. Bénor! On y va, on redescend. Ah, on peut passer par l'intérieur de la tour, dis donc. Il y a rien d'intéressant. J'imagine que ça va pas suffire à faire en sorte que tes forts tirs murailles deviennent armes en mode accompli, non. Donc il va falloir qu'on tue encore d'autres personnes à l'intérieur, sans doute. Il est en bien mauvais état, ce fort. Hein. La tour, il reste plus grand-chose. Rentrons, voulez-vous. Eh. Hey. Et quoi? Abandonnez pas, vous pouvez encore. Je n'abandonne rien. Où qui sont les vilains? Okay. On prie qui tu veux, on n'est pas comme ça, nous. Encore, vas-y. Ah, tu es mort. Bien joué, Bénor. Loupé! Wow, tu fais mal, toi! Nul ne frappe impunément String le guerrier! Ok. Bon. C'est pas par ici que ça se passe, y a pas l'air d'avoir grand chose. Oh, un Khajiit mort. Oh, mais y a des... C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous enfermiez des prisonniers ici, vous rançonniez des convois, un alchimiste. Prenons une imrote en plus, une robe de magie noire. Ok, l'argenterie, c'est des shops, c'est même pas de l'argent, on s'en fout. Et le Khajiit, non, le Khajiit, on a déjà regardé, on a fait le deuxième aussi, ok. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était moi! Oui, me voilà. Bénor, doucement, doucement, allez derrière nous, allez derrière nous, allez là. Aïe! Oh, tu m'énerves, les Gérard Larcher, même féminin m'énerve. Oh, le coup de hache dans la tronche, ça l'a même pas fondu en deux tout de suite, dites donc. Hein.
Et t'es résistante, cocotte, hein, quand même, mine de rien. Oh, pénard, le trésor des meules de fromage, d'édard et de fromage de chèvre. Oh là là, le gueuleton qu'on va se faire, mon pénard. C'est des alchimistes par ici, non? Ah, un breton. La tête dans le feu. Alors, à mon avis, c'était eux, les habitants des lieux. Ils se sont fait... ils se sont fait poinçonner la tête par ces vilains. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de coffre. Tu me diras, c'est peut-être pas par là, mon beau Bénor. Non, c'est pas accompli, hein. C'est pas accompli, Bénor. C'est pas la peine. On accomplira ça que quand on nous demandera d'y venir pour une autre, raison. T'inquiète pas, c'est pas la peine. On a fait un petit tour du propriétaire quand même. C'est déjà mieux que rien. Ça nous servira pour quand on aura à revenir. Mais clairement, c'est pas le moment. Alors, nous, on va toujours en direction de... Ah, faut passer, ça. Hein. Comment je fais? Bénor, dis-moi. Comment on fait, Bénor? Passer sur le côté. Et voilà. Eh oui. Vas-y. Va en faire autant. Mais où tu vas? Mais le con. Ah oh bah non, c'est non, c'était moi le con. Oui, non, mais bah, oui, bien vu, Bénor. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, mon ami. Les écuries. L'icône sur la map, c'est plutôt dans ce coin-là, exactement. Direction Fayez. Alors, la route est un petit peu plus par ici. On va suivre la route quand même. On va essayer de faire ça bien. Bien, mon Bénor. Retour on the road. On the road from our Fayez. Les abords de la cité sont ici. D'accord. Des postes de défense en bois, visiblement. On va arriver aux écuries. Il y a toujours des écuries avant les villes. Et nous arrivons aux écuries. Alors je sais plus si c'est ma ville préférée ou pas. Je confonds peut-être. Je sais plus vraiment les villes. Mais je crois pas que ce soit Fayez, ma ville préférée. Les écuries de Fayez sont ici. Les bourrins, c'est vraiment pas des galopeurs. Hein. C'est vraiment des bêtes de trait. Ça se voit. Bonjour. N'avancez plus. Comment ça, n'avancez plus? Fayez, vous devez payer la taxe de séjour. Vous foutez de moi? Elle sert à quoi, cette taxe? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est manifestement du chantage et de la corruption. D'accord, ne parlez pas si fort. Vous voulez que tout le monde vous entende? Oui. J'ouvre la porte, vous pouvez entrer. T'as intérêt, oui. Tentative d'extorsion de fonds sur le tan de Blanche Rive et de Mortal, enfant de dragon, écailleur de dragon et collecteur de l'impôt, de la taxe. Moi, je suis officiellement collecteur de taxes, mon ami. Collecteur de taxes sur les successions pour le compte des sombrages. Alors, s'il te plaît, fais pas ton malin. Allez, allons-y, Bénard. Alors. Ah non, c'est la ville avec les maisons en bois et tout. Ah ouais, c'est pourri ça. Ouais, c'est attention, ça, c'est la ville de la guilde des voleurs. La guilde des voleurs a le soutien de Maven Ronce-Noir. Il lui suffit de claquer des doigts pour vous faire mettre en prison, ou pire. C'est pour les combattre que je suis ici. Je ne peux pas les ignorer, Erin. Je sais. C'est juste que je ne veux pas que vous partiez. Vous êtes ce qui est arrivé de mieux à cette ville depuis des années. Cette espèce de godiche, là? Bonjour, madame. Vous n'êtes pas non plus du coin, hein? Ah non, pas du tout. Les visiteurs de notre genre se font rares dans cette partie de bord de ciel. Et tu sais qu'il y a un chariot qui t'a roulé sur l'œil gauche? Enfin, sur tout le visage, d'ailleurs. Et toi, t'interposes pas, je la drague pas, je cause avec, c'est tout. Parlez-moi de la guilde des voleurs de Fayez. Ils osent se donner le nom de guilde, c'est ridicule. Comment des hommes prêts à trahir leurs semblables pour quelques pièces d'or peuvent-ils prétendre s'associer? Ces gens-là sont de la pire espèce. Même la confrérie noire répond à une tradition et à des règles strictes. Les voleurs, c'est rien que de la racaille. Et vous, qu'en pensez-vous?
Moi, j'en pense qu'ils ont pas dû vouloir de toi et c'est pour ça que tu l'as mauvaise. Parce que sinon, t'aurais pas dit ça. Pour ma part, j'essaye de conserver un certain détachement. C'est bien dommage. La plupart des gens de Faïez pensent comme vous. Et regardez où ça les a menés. Toute ma bonne volonté et celle d'Erin ne suffiront pas à aider cette ville. Il faut aussi que ses habitants se prennent en main. Ah bah oui, ça faut toujours se prendre en main, on est bien d'accord. Et c'est quoi cette histoire de la famille Ronce-Noir ? Maven Ronce-Noir, la matriarche, est à l'origine de tous les maux de cette ville. Carrément ! Les fonctionnaires qu'elle ne sous-boit pas sont rares. Elle a des amis à la cité impériale et s'associe ouvertement avec la guilde des voleurs. J'ai tout essayé pour protéger les citoyens de Faïez de cette famille, mais sans succès. Et qui d'autre fait partie de la famille ? Oh, il y a aussi Ingun Ronce-Noir, la fille de Maven. Une étrange donzelle. Elle passe tout son temps à travailler son alchimie aux élixirs d'Elgrim. Ensuite, c'est bien, elle travaille. Ing, le fils de Maven. Il est pourri gâté et destiné à hériter de son empire. Elle lui dicte les moindres de ses faits et gestes. Et pour finir, Sibi, le pire de tous. Il croupit pour meurtre à la prison de Faïez. Ah bah s'ils l'ont collé en tôle et que la famille dit rien, c'est qu'effectivement il doit être sacrément terrible celui-là. Hein. Vous êtes pas d'ici vous. Toute jeune, je parcourais déjà Tamriel. Le maniement de l'épée ne m'était pas encore si naturel. Mes voyages m'ont conduite de Hautroche à Valboisé et d'Elsewhere à Morrowind. Et comment t'as atterri ici du coup? Il y a bien longtemps, j'ai perdu mon épée, sinistrale, dans des ruines d'Ouémer. J'y ai vu un signe que ma quête de richesse était une perte de temps. Nous nous ressemblons, vous et moi. Non, je crois pas, non. Et la fortune. Oui. Mais pour moi, les similitudes s'arrêtent là. Faïez est pour moi le plus grand. Ah bah, de toute façon, oui, toi t'as des boobs et moi j'ai une barbe, alors. La gratitude et la confiance de mes pères. Oh là là, vous êtes la protectrice de Faïez. C'est une lourde tâche. Les problèmes de cette ville sont un fardeau que je porte seul. Je suis confrontée à des obstacles insurmontables. Et te mets pas à pleurer, s'il te plaît. Corruption, mensonges et traîtrise sont à la mode ici. Non, bienvenue dans le genre humain. Corine, le jeune homme qui m'a sauvé la vie, j'aurais sûrement abandonné il y a longtemps. Et il t'a sauvé la vie comment, Pépère ? Erin m'a trouvée mourante, près de ruines d'Ouémer. S'il ne m'avait pas ramenée jusqu'ici pour s'occuper de moi et veiller à ma guérison, j'y serais morte. Une fois remise sur pied, il m'a parlé des problèmes qui gangrénaient Faïez. J'ai alors considéré mon arrivée ici comme un signe du destin et j'ai décidé de rester. Taré. Bon ben, je vais y aller, hein. Bon voyage. Merci. J'ai jamais vu Miol aussi contrarié. Cette ville lui porte vraiment sur les nerfs. Aïrin. Miol m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde. Un jour, peut-être, je partirai voir si elle a raison. Ah, ça a pas l'air chaleureux cet endroit, c'est vrai, c'est ici qu'il y a la rivière qui coule en dessous. Il y a une prison d'ailleurs qui doit traîner dans les bas-fonds en dessous, là, c'est l'enfer. C'est pas la Venise du Nord, hein. Ça pourrait, mais franchement non. Hein. Et pour se retrouver en ville, ça a toujours été un joyeux bordel, c'est vrai que c'est pas du tout ma ville préférée. Mais il faudra bien qu'on y revienne pour faire les quêtes sur la confrérie, j'allais dire la confrérie de l'acier, non. Ni même la confrérie noire d'ailleurs, mais la guilde des voleurs. Et pour compliquer cette affaire, d'autres se sont crus malins en répandant des rumeurs de disparition, des élucubrations à propos de fantômes ou de spectres hantant les égouts. Nous souhaitons vous rappeler que la souricière n'est pas un endroit sûr pour les habitants et que toutes ces histoires de fantômes ne sont rien de plus que des racontards d'ivrognes. Nous enquêterons sur cette affaire incessamment sous peu, mais d'ici là, il est interdit de pénétrer dans la souricière. Signé la garde de Faïez. Bon bah écoutez, on va écouter ce que dit la garde. Un bénheur, toujours écouter ce que dit la garde, jusqu'au moment où on n'en veut plus de ce qu'ils nous racontent. Mais pour l'instant, on va obéir à ce qu'ils nous disent. C'est une porte d'écluse ça quasiment, oui c'est comme une porte d'écluse. Mais enfin personnellement, je leur ai bien expliqué que pour que l'eau tienne le coup, enfin que la porte tienne le coup sous la pression, en fait il fallait que ce soit orienté dans l'autre sens. Il faut que le V il soit de l'autre côté, parce que là c'est plus... C'est plus parti pour ouvrir le... Hein ? Avec le V dans l'autre sens, ce serait mieux. Enfin bon. On va pas leur... Hein ? On va pas leur apprendre. Allez, mon bon Bénor. Ouais, enfin, l'eau est équilibrée. J'ai rien dit. Le niveau de l'eau est équilibré des deux côtés. Il n'y a pas de pression, ça va. C'est tout. Elle est où, la maison longue ? Où quelle est la maison longue, dis-moi ? La maison du... Ah, c'est là, le palais du Jarl. Allons nous présenter au Jarl Bénor.
On va peut-être attendre le matin parce que je sais pas si ici ils sont aussi efficaces même la nuit qu'ils ne le sont à Blancherie mais surtout à Mortal. Hein, ouais, on va attendre demain matin. Ah oh bah on va attendre 12h, oui, carrément. Hein, voilà. Allez, il est l'heure, il est beau, il fait beau en avant, c'est parti au temple. Ah non, c'est le temple de Mara, merde. Ah moi je pensais que j'étais arrivé. Non, on se casse, Benor, on se casse. Nous sommes arrêtés. Oui. Non, il se passe rien. On se casse, on va pas dans un temple, ça nous intéresse pas. On ne mange pas de ce pain-là. On cherchait la mairie, en fait. Hein ? Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer l'hôtel de ville, s'il vous plaît ? Ou le manoir Ronce Noir ? Mais ça doit pas être ça, quand même. Excusez-moi. Bienvenue à Faiez, fief de la guilde des voleurs. Du moins, c'est ce que ces gredins aimeraient faire croire. Mais ils ne sont que de la vermine grouillant à la souricière. Ouais, enfin, c'est de la vermine qui vous tire, hein, qui vous pose des problèmes. Ah, le château d'Embruine, nous y sommes, allons-y. Allons nous présenter au Jarl des lieux. Oh, quelle belle pièce, magnifique, et quel bûcher encore, quel buffet, pardon, pas bûcher, buffet. Un bûcher, on pourrait cramer quelqu'un là-dessus, on pourrait cramer un bon petit cochon de lait, ça serait bien. Bonjour à toi, oh Jarl de Faiez, je suis String le guerrier, vieux slip du Nord, enfant de dragon, écailleur de dragon, tan de Blancherive immortal et percepteur de la taxe sur les saucissons, oui bien sûr, sur les saucissons, sur les successions et sur les saucissons aussi, en port de ciel. Je m'avance vers toi et te propose mes services, Jarl Leila, juste loi. Bienvenue à Faiez. J'espère Merci. Que votre voyage s'est bien passé. Quelle est votre position au sujet de la guerre ? La cause d'Ulfric est juste, d'une certaine manière. Mais je me soucie des citoyens de la Brèche. Comment peuvent-ils poursuivre leur vie déjà misérable en voyant la tempête qui s'annonce à l'horizon ? Je compatis de tout mon cœur. Si seulement nos coffres étaient mieux remplis, je pourrais les protéger comme s'ils étaient ma propre famille. Et Ulfric ? Avec l'appui des sombrages, Ulfric compte débarrasser Bord de Ciel des forces de l'Empire et invalider nos engagements envers le traité de l'Or Blanc. Sa cause a déjà fait tant de victimes. Je crains que le sang ne continue d'abreuver ses terres pendant de longues années. Et c'est quoi ton histoire de traité de l'Or Blanc ? N'avez-vous donc jamais entendu parler de la Grande Guerre qui opposa l'Empire aux elfes du domaine Aldmeri ? Et le non. traité de l'Or Blanc fut signé à l'issue du conflit. Soi-disant, cet accord avait pour but d'établir la paix au sein de l'Empire. Ces termes comprenaient l'interdiction du culte de Talos. Pour les Sombrages, c'est à ce moment que l'Empire a cessé de mériter l'allégeance de tout véritable Nordique. D'accord, donc ils ont fait la paix d'un côté, ce qui a déclenché la révolte de l'autre. Ouais. Oui, bah, je vois qu'ils sont pas malins. Alors, il paraît que c'est la ville de la guilde des voleurs, vous en pensez quoi ? Nous avons hâte de les traîner devant la justice. Ma veine Ronce Noire m'a assuré qu'ils allaient avoir le sort qu'ils méritent. C'est l'une des citoyennes les plus influentes de la ville, et elle s'est fait un devoir de mener à bien leur incarcération. Malheureusement, ils s'avèrent insaisissables. Mais j'ai foi en ma veine. Elle ne renoncera pas tant qu'il en restera dans cette ville. C'est à se demander qui c'est qui commande quand même, hein. Bon, ben merci de m'avoir reçu. Leila, juste loi. Dag croisé, je le lis. Ah, ça fait rien. Ok. Bienvenue au château d'Embruine. Mon nom est Anuriel. Je suis le chambellan de Leila, le Jarl. Ah, d'accord. T'es une elfe. Puis tu tires la gueule à ce que je vois. Bon, causons. Si vous êtes ici pour rapporter des cas de corruption... Rassurez-vous, nous gérons ces rumeurs comme il se doit. Lol, vous faites quoi ici, vous ? En tant que chambellan, je sers d'intermédiaire entre le Jarl et ses sujets. Je suis également chargé des problèmes quotidiens moins importants qui rythment la vie à Faiez. Ces derniers temps, je m'éreinte à essayer de faire taire ces accusations ridicules de corruption dans le fort. Quelle rumeur de corruption ? Il y a ceux qui pensent que le Jarl ne fait rien pour cette ville. Qu'elle est corrompue et sous le joug de la famille Ronce Noire. Je peux vous assurer que ce ne sont que des mensonges. Ouais. Nous contrôlons absolument tout. Alors c'est pas tout à fait l'impression que ça m'a donné en causant avec, si tu veux. Mais bon, je vais pas te contredire, hein. Y a pas de problème. Parlez-moi de cette fameuse guilde des voleurs. Je n'appellerai pas ça une guilde,
plutôt un ramassis de fripouilles désorganisées. Eh ben. En fait, je ne dirais même pas qu'il présente une menace. Non, nous devons utiliser nos ressources pour nous préparer à l'invasion. Je cherche du travail, vous auriez pas une piste ? Le Jarl a mis à prix la tête de certains bandits. Jetez un œil à ce décret pour de plus amples précisions. Le chef de bandit de Cap de Treva, parfait. Eh ben écoute, merci. Tant que vous continuerez à respecter nos lois, votre présence à Fayez sera tolérée. String, vieux slip du Nord et Pénor, poids rouillé du Nord, mettront un point d'honneur, c'est le cas de le dire, si à régler son sort à ce chef de bandit. Allons-y, Pénor. Alors, mon bon Pénor, on a du boulot. Nous, on va aller pour s'occuper de Cap Treva, ça va nous faire passer par le sud, c'est bien, c'est bien. On va découvrir comme ça d'autres lieux. Ouais, on lui dira. Objets rares et curiosités de qualité en provenance de l'or. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit... Allez, hop, 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 c'est parti, mon kiki. Ou une ferme. La ferme de l'allégresse, est-ce le bonheur? Visiblement, on plante des choux ici. Après le cambriolage, Dravine est devenu plus aigri que jamais. Des choux et du blé. Ok. Et visiblement, il y a un étang. Parce que c'est censé être un étang, là, le casque d'Astérix avec les plumes, là. Attends, on va monter par là. C'est sympa la région quand même, par contre, c'est un peu enneigé, mais pas trop. Ami ou ennemi ? Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Eh ben continue, c'est bien, c'est donc pas ennemi, ça va. Tadam ! Découvrons cet étang. Cette mare. Oh putain, il y a des esprits. Et un loup. Alors le loup, ça va aller. Par contre, l'espèce de truc là. Le Sprigant. Ouais, c'est ça. Il faut le tuer, le Sprigant. C'est lui qui a plein. C'est lui qui invoque les animaux. Ah bah non, c'était je suis mort. J'ai réagi un cran trop tard. Cette mort infâme. Lacérée. Grignoté, complètement déchiqueté par les animaux, c'est infernal les enfants. Mais on va aller lui régler son sort à celui-ci, il ne sera pas dit que String le guerrier se laissera ainsi découper par des animaux possédés. Où est-il le Sprigant ? Tap, 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 tap. Alors, nous allons utiliser la santé se régénère 50% plus vite, ça c'est bien. Nous allons prendre une potion de soin droit même, voilà, pour se remettre parfait et en avant. Ah là, le Sprigant est mort ou pas? Non. Ah, c'était Just. C'était encore Just. Je remets ma vie. Mais tu vas mourir, la branche d'arbre, là, ou pas? Allez, on s'occupe du Smilodon, maintenant. Voilà. C'est bon. Oh, le Sprigant. Tout ça pour une foutue racine noueuse. Oh là 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 là. Voilà, victoire de papy. Mais récolter de la mora tapinella. Elle tapine la mora. Ok. Il y a un coffre au moins. Il y a quelque chose, non? Ou même pas? Même pas. Que dalle. Nada. Il n'y a rien du tout à part des champignons. Ou un tertre de dragon. Un gros tertre de dragon. Et là-bas, il y a... il y a des foutues bestioles. Ouh là là, puis elles sont nombreuses, des bestioles. Déjà, là, il y a une mini-araignée, mais il y a les autres qui vont suivre derrière. Alors, on va essayer de s'éloigner pour buter l'araignée en premier.
Oh merde, il y a maman qui est là. Ah, vous savez, j'ai été empoisonné. Ok. Tout va bien, tout va bien. Allez, l'ours après, il va suivre. Ah, attendez. Il y a un truc qu'on va faire. Ça suffit, oui. Ça suffit. D'abord, je vais réenflammer mon arme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que là, c'est le moment. Je pense qu'on peut, avec une gemme spirituelle inférieure, voilà. C'est bon. Mon arme est enflammée. Je pense que je vais y rajouter une petite potion de soin et potion de soin léger direct. Voilà, comme ça, histoire d'être bien. Allez, l'ours, voilà. Ah, tu fais moi le malin, là. Hein. Et toi, la saleté. Et toi, saleté de bestiole, meurs. Le loup aussi. Bon, on les a tous eus. C'est dangereux, cette zone. Hein. C'est très, très dangereux. Alors, je sais que j'ai été empoisonné. Hein. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas perdu de vue. Il faut qu'on regarde ça. Ce qu'il en est au niveau effet actif. Résistance aux maladies. Mon sang de bête. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Les prix... Non, bah, visiblement, je suis plus empoisonné. Ça va. Ça va. Alors, c'était quoi, tout ce rassemblement de bêtes, là? On aurait dit une foire aux saucisses le dimanche, là. Allez, meurs, le loup. Il y a une bestiole, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, c'est encore une de ces machines. Ah, ça peut pas rester coincé dans les grottes. Ben non, visiblement pas. Il faut impérativement que ça nous en... Même dans la nature. C'est pas possible, des araignées de cette taille-là. Y'a que dans Fallout, normalement, qu'on voit ça à cause des radiations. Ah. Nous approchons au Bénor, nous approchons. Doucement, mais sûrement, nous approchons. Attention avec ce feu. Oui. Vous êtes là pour aider? Je reprendrai le château de ma famille. T'as des yeux bizarres, Coco. C'est un peu inquiétant, quand même. Enfin, les renforts sont arrivés. Les renforts? J'en attendais davantage. Alors vous avez intérêt à être à la hauteur. Pourquoi je devrais vous aider? Nous sommes partis pour la guerre et ces immondes vermines en ont profité pour envahir l'endroit. Ma famille est à l'intérieur. Je soupçonne Brerid d'avoir planifié tout ça. Nos relations se sont envenimées depuis la mort du roi. Mais de là à envahir ma demeure et enlever ma famille... À vous entendre, je dirais qu'elles se sont bien plus qu'envenimées. Vous posez beaucoup de questions pour un mercenaire. Entrez et ouvrez la porte. Nous essaierons d'apporter notre aide ensuite. Mais que puis-je espérer en échange de mon aide et de celle de mon acolyte? Ma famille est tout pour moi. Reprenez le fort et en plus de la récompense prévue, vous pourrez garder tout ce que vous trouverez. Ouh, je m'en occupe. J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Mais notre dernière attaque a mal tourné, il ne reste plus que nous. Bonne chance. Tu devrais quand même voir un ophtalmo, parce que je crois que t'as de la conjonctivite, vieux, hein. Bon, je dis ça, hein. Après... Ouais. Nous allons tuer le chef des bandits du Cap de Treva. Nous allons voir ça en même temps. Oh là là, c'est... C'est magique parce que du coup c'est double objectif. Et ça c'est fun. Ça c'est très très fun. Il nous a donné un moyen aussi. Il y a une porte. Il y a une porte cachée. C'est ça l'idée. Viens voir. Vers le cap de Treva par le tunnel. Excellent. Hey. Qui est là? Ah, vous voilà.
Bonjour. Tu meurs, mourrez dans les flammes. Pardon, Bénor, Vous allez voir ce que vous avez fait. Oh, elle est morte, c'est bon. Rocher or, casque à cornes, à bande et armure de fer, ça pèse une blinde, mais ça vaut du pognon, Bénor, pas de problème. Visiblement, oh, du fromage, encore du fromage! J'aime spirituel, flèche de glace, et dans le coffre, crochet or et bottes de fer. Il ne manque plus qu'un chapeau melon. Bottes de fer et puis c'est bon. Le piège à ours, je l'active avant de me mettre dessus. Alors, attention. Ah bah je suis pas souvent furtif, mais quand ça arrive, ça marche, hein. Mon pinard. Non, ça vaut rien tout ça. Ouh, alors par contre ça, voilà, bah là on va être en surcharge dans pas longtemps. Je ramasse le cuir, je ramasse le fer. Oh lolo. Bon, apparemment il faut sortir. Welcome au cap de Treva. Ah merde, ah il y avait un piège. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah bah c'est Bénor qui a l'aggro. Ah, même pas elle m'a regardé. Elle avait Dieu que pour toi, mon bon Bénor. Visiblement, tu lui as tapé dans l'œil. Bon, par contre, tu as été un peu fort avec la hache dans l'œil. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'était elle ou nous. Hein. Ils ont un sort secret pour changer le bois en or. J'aimerais bien changer le bois en or. Quelle bonne surprise. Moi, je vais te changer en mort. Voilà. T'as vu, c'est facile. Je t'ai changé en mort. Pas en or, mais en mort. Vous avez mal choisi votre coup. Ouh, joli coup, Bénor. Aïe. Re-aïe. Et re-re-aïe. Oh, hé hey. Bon, merde, cette serrure. Voilà. Regarde, qui c'est qui va se faire dépouiller dans 2 secondes. Parfait. Beau travail d'équipe, Bénor. L'épée orc de Frimas, jolie, je prends. La dague orc, l'or, le... Alors ça, ça va faire très mal. Bah bah ça y est, je suis en surcharge, Mais c'est pas grave, parce qu'en termes d'arc, je vais jeter l'arc long ici qui ne vaut rien. Et je redeviens, hop, je redeviens solvable, mais c'est un peu l'idée. Ok, de l'or, boisson de magie, ça c'est bon, une bourse avec de l'or, 36. Il a dit que je pouvais garder tout ce que je trouvais, alors autant te dire que je vais pas m'embêter. Oh, c'est une manie chez vous de nous dire qu'on va mourir. Attends, avec le niveau, je peux reconstituer mon armure, ma santé d'un coup. Regarde, tac, et voilà, la santé est à son maximum, 190. C'est absolument génial. Ah, une main, pour l'instant, j'ai pas de niveau encore. Est-ce que je peux augmenter le crochetage, du coup? Les verrous d'apprenti, c'est bon, je peux le faire, ça demande 25. Ouais, vas-y, allez, monte d'un cran pour le crochetage, ça c'est bien. Et sur ce, on y va. Bah, c'est loupé, les vies à serration, hein.
Merci Bénor. Ah, je crois qu'il y a encore... Fais gaffe, c'est un mage. C'est les rats, mets-le. Mais crève. Oui, t'as transpercé de glace, Bénor. Oh là là, attends, je souffle. C'est bon, ça réchauffe. C'est bon, tu vois, je t'ai sauvé, tout va bien. Bien sûr que si, je vais l'emporter, regarde! Salaud, ce sale bandit! Ok, il est où le méchant? Fromage! Combat à l'aide d'unités différentes, non, ça ne fait rien, aucun bonus. Vas-y, il est où? Où qu'il est? Bah, il est pas là. Ah si, derrière la porte. On y est, Bénor, on y est. Il est là-haut, Bénor. C'est une blague! On tourne en rond, il est au-dessus de nous. Bonjour. Allez, meurs, c'est les rats. Je la laisse. Bon. Oh bordel, je sais pas où il est. Hein. Je pense qu'il est au-dessus de nous, mais comment est-ce qu'on arrive au-dessus de nous? Ça, c'est autre chose. Aïe! Oh merde, je me suis mangé la masse d'armes. Oh, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Où ça pique, hein? Bon, il est droit devant nous. Si on en croit le marqueur, il est droit devant nous. Mais on sait qu'il n'est pas droit devant nous, puisque droit devant nous, c'est un cul-de-sac après. Donc quelque chose me dit qu'on est dans une espèce... Voilà, deux tours, il est au-dessus. On va le choper, ça y est, cette fois. Alors, bon, voilà. Ça c'est encore un archer. Lève-la, enfin. Vas-y, attends. Voilà, lui, il est mort. Oh! Ah, l'espadon orc, ça vaut pas tant que ça, hein. Les bottes à revers en acier, par contre, visiblement, elles sont meilleures. Non, 25, elles sont comme les notes, donc on va les laisser. On n'a pas le temps, Bénor, on n'a pas le temps de jouer. Tu prends juste l'or, les crochets, les bijoux, ce genre de trucs qui pèsent pas lourd. Parce que là, on est là... Ouh, on est à la limite de la limite. On va être en surcharge, Bénor, je te le dis tout de suite, parce que là, le coffre... Il y a plein de lingots de fer, ça, je peux pas les laisser, les lingots de fer. Pour la construction, pour le raffinage, tout ça, on peut pas. Je prends juste ça, la pierre de Valum parfaite. Ok, et là, là, on est en surcharge totale. Ah oui, je prends la bourse aussi. Deux secrets, ça c'est pour l'enchantement, parfait. À côté on a livre de sort. Et ici, ça, les ruines de machin, non ça fait rien du tout. Alors attends, Bénor. Je vais regarder ce que je peux jeter. Parce que là je dois être quand même sacrément surcharge. Non, je suis à 396, ça va. On a connu bien pire déjà. Si je jette des bottes de fer à 25, regarde ça, tac, on est bon. Ah bah voilà, non je suis encore. Oh, ça se joue à rien, il est chiant, ça c'est au dixième de poids près là. Je vais pas vendre ça, les chaussures en fourrure, ça pèse. Et les gantelets de fourrure qui valent rien, regarde-moi ça. Voilà, maintenant je respire, c'est bon. Alors il faut qu'on aille ouvrir des histoires de portes là, attention à la vase là-haut encore. Hein. Cap de Treva, alors il fallait ouvrir la porte. Ah, merde, pour l'ouvrir, il doit y avoir un levier quelque part.
Ah, attends. Merde, il en reste. Ouh, bah quand Bénor est en colère, il est en colère, hein. C'est pour moitié qu'il tue les mecs, hein. Quel talent. Attends, c'est où? C'est là le levier. Ah, c'est bon, je l'ai le levier. Oh, vers la porte. Bah, je vais retrouver Stella. Oui, là, Stella. Stella, Artois. Vas-y. Quand tu veux, tu viens me voir, mon vieux. N'allez pas mettre le feu, d'accord? Le ouais. Fort est à vous. Merci pour votre aide. Avez-vous vu ma famille à l'intérieur? Non, je ne l'ai pas vu. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri avant l'attaque. Je vais me ravitailler avant de commencer les recherches. Mets-toi des gouttes dans les yeux aussi, voilà, s'il te plaît. Voilà votre récompense. Ça pourrait être utile. Hein. Livre de sort détection des vivants, merci. Mais c'est ça? C'est ça la récompense? T'es sérieux? Oui. Oh, punaise. On s'est bien fait arnaquer. Bon, allons rendre la quête à Fayez et normalement, on aura terminé pour ce brillant épisode. La suite se déroulant à très courte proximité de Fayez pour la quête des compagnons. Et ça, ce sera pour le prochain épisode, justement. Alors, allons-y. Oh bah, ils doivent tous dormir là-dedans à cette heure-ci. On va voir, est-ce qu'ils ont l'esprit du service public? Ah bah non, 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 ils dorment pas en fait. Alors, je sais pas, il est... quelle heure? Il est pourtant 23h25, mais ils ont encore ouvert. Ah non, mais c'est bien, moi j'aime bien quand ils... Je vous demanderai d'en rester à une... Bienvenue au château d'Ambruine. Mon nom est Anuriel. Je suis le chambellan de Layla, le Yarl. Oh, Anuriel, chambellan, le chef des bandits à Cap de Trévaille mort. String, le guerrier, Bénor, point rouillé du Nord... viennent réclamer la récompense. Excellent, vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Nous vous en remercions. Tant que vous continuerez à respecter nos lois, votre présence à Fayez sera tolérée. Merci à toi. Bon bah mon bon Bénor, on va se bouffer un bout de fromage, boire une petite bouteille d'hydromel et se coucher. Hein, il sera temps de reprendre la quête des compagnons au prochain épisode. J'aime beaucoup l'intérieur de ce... de cette maison de Liarle là. Pour des affaires officielles. Je t'en pose des questions, toi. Hein? Je te répondrai pas, merci. Je vous demanderai de faire preuve de respect lorsque vous vous adressez. Toujours, toujours. On s'assoit et on va conclure ici, les enfants. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Cette découverte de la région de Fayez, de la Brèche, alors que la patate coupée en deux devant moi, elle tremblouille dans l'assiette, mais ça va aller. Vous inquiétez pas. Hein, C'est String, à force de prendre des coups sur la tête, il a développé un début de Parkinson, là, il tremblouille. C'est la tremblante du String, c'est pas la tremblante du mouton, c'est la tremblante du String. Je vais me relever parce que c'est perturbant, en fait. C'est très, très perturbant, mais tout va bien. Gros poutou à vous, passez une excellente soirée, je vous donne rendez-vous très bientôt, bien sûr, sur Skyrim, Legendary Edition, enfin Anniversary Edition, ou même sur un autre jeu, pourquoi pas, à vous les studios. C'était Papy. On live from Fayez, à bord de ciel. À vous les studios. Ciao.